Première fois, on vous avait présenté notre van. On a bien acheté un van. Maintenant, on va vous présenter Lilou. La première fois, on avait une scie et un tournevis. Cette fois-ci, on a emprunté les outils de notre ami Citon. I love turtles. Maintenant, c'est la visseuse. Scie circulaire électrique, scie sauteuse, ponceuse. Bon, on va vous présenter Lilou. Bienvenue à la maison. Donc voici la pièce principale, la chambre avec notre grand lit double et notre étagère à vêtements. On remarquerait que le côté de Pierrick est un petit peu mieux rangé que le côté de Denis. Et pour la journée, on peut aussi transformer la chambre en salon. Alors là, on est dans le coin bureau avec l'ordinateur, caméra, GoPro, Kindle, DVD prêté par les amis. La salle de bain avec le petit gel douche, les brosses à dents. Et comme on est fan d'escalade, coupangle. Et on a aussi un coin salon. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce qu'on pourra appeler le coin cuisine. Notre gas cooker. Un brûleur à deux feux avec la bouteille de gaz qui est ici. Un bidon d'eau, 10 litres. Et la pièce maîtresse de la cuisine. Notre tiroir avec toutes les nourritures. Alors ça c'est simple, un pâtes et des conserves. Ça c'est la vaisselle sale, tout ce qui est vaisselle, verre. Un magnifique tiroir. Comme dans un van, c'est très important d'optimiser tous les espaces. On a ici deux petits rangements de chaque côté avec le liquide vaisselle, le frisbee de ballon, un parapluie parce que même en Australie il pleut. Derrière la bonbonne de gaz, on a tente, duvet, slackline et deux, trois autres trucs. Et pour les chaussures, on a la petite trappe magique. Puis le soir, bah, c'est sympa de tirer d'un petit film. Voilà donc pour l'intérieur, maintenant l'aspect extérieur. Alors ici nous avons nos deux bidons d'eau et le bidon de réserve d'essence. Une caserne d'Alibaba pour les pales, le matériel d'entretien, les câbles de démarrage, l'huile moteur, un marteau pour le bricolage, une hachette, parce qu'on sait jamais. Et ici on a un petit tuyau avec des pieds de tarte et une bâche qui nous permet de tirer un espèce d'abri, même si on s'en sert pas trop, on a ça. Et enfin, la dernière pièce qu'on vous a pas montrée, les toilettes. C'est donc un parfait camper van, mais c'est aussi un puissant bolide de course. Woohoo!
putain, on va vite. Ah, y'a plus de... Aïe. Oh putain. Je vais me gonfler. Ah, j'ai tapé l'épaule. Ah, tu voulais que je fasse quoi? Je sais pas, tout d'abord. Ah, oh. C'est tout pour la visite. Vous pouvez rester là et nous on déménage.